enfant. Salo, à nouveau, Salo. Il arrive à se sortir de ce coin. Petit gabarit, mais très. Il va encore, Salo. Alors, on va lui remettre un peu le tournis pour l'instant. Moins d'une minute que le maître. Heureusement, il y a Vitou, mais qui n'est pas un défenseur, Vitou. Ouais. On a pu passer par Anglais, Vitou face à la Roc. Vitou, il conserve. Ouais, cette fois-ci, c'est dans la mitaine. On relâche tout de suite, récupérer Spinozzi. Il va lancer. Ah, il cherchait peut-être le rebond. Ouais, c'est ça. Il a mis un tout petit lancer sur Vitou. Il va bien. Vitou face à Schmid. Vitou, ça va lancer. Ah, petit filet. Belle présence. Allez, des Anglais et belle réponse de Foucrel hein, qui a bien poussé sur sa jambe droite. Ouais, ça va jouer un 2 contre 1 peut-être, un 2 contre 1 va jouer. Oh oui, oh non, oh oui, en deux temps. En deux temps parce que Loubier avait fait le premier bon, bel arrêt. Mais pas payé, hein, il n'a pas pu faire le deuxième. Et il fallait le mettre, il fallait le mettre, c'était pas évident. Il a été très adroit. Julien Guillaume sur le coup. Ouais, il a mis peut-être un peu de temps à décocher en première intention, mais bon, il a peut-être mal réceptionné le palais, donc il s'est appuyé. Sauf que combatif comme il est, on le connaît bien ici dans les travées de Mériadec, il lâche jamais rien. Timer, non, il préfère contrôler. Ça tire, c'est dévié, c'est lancé par Enzo Cari. Le maître face à l'embolé, récupéré par Colotti, Hunter, le voilà. Colotti, Jesse Palof, il va prendre le lancer. Dans la niche, se lancer, bien placé le mieux. Loïc Poudrier parce qu'il était deux fois le montant. Ouais, cette fois-ci, il peut les remercier. Les cages, ah, c'est touché Baron. Ouais, c'est fait mal le jeune. Le jeune Baron, le jeu se poursuit. Et cette fois-ci, ça va siffler. But ! Ah ouais, là c'est une petite erreur du goalie. Ça lui passe peut-être sous la mitaine ou sous le bras. Pendant que le jeune Baron... souffre sur la glace. Ouais, et on a vu un Lionel Tarantino pas heureux hein, qui a jeté un regard noir au bord de l'air. Mais en même temps c'est OK. Hein, si l'arbitre ne siffle pas, on continue à jouer. Ouais, effectivement, ouais, je pense qu'il a été touché à la jambe. À la cheville, je dirais. La cheville. On dirait, parce que là il a vraiment beaucoup de mal. Il arrive beaucoup de palais. Avec son petit gabarit dans les force bandes. Bloc, force bloc. Cette fois-ci, ouais, bien l'arrêt. Et heureusement pour des basques avec Vassilev. Vassilev qui contourne. Ça a été touché, ouais, Jeff Palov. Qui conserve. Pas beaucoup de solutions pour le laiton. Colotti. Face à Thomas Decoq, Colotti. Ah, c'est bien fait. Ça écarte tout de suite avec Lévesque. Oh but, on pouvait pas attendre mieux. Ce lancer de Lévesque. Bien masqué, je pense, le billet sur ça. Que Colotti avait réussi à toucher ce palais, mais il a très rapidement pointé l'évêque, mais c'est lui qui se présente en premier. Donc, ah, il l'a pas vu surtout, je pense, le gardien de l'Ormadi. Ah, il y avait deux joueurs de Bordeaux qui étaient doublés de prix en plus. Donc ça ouais, fait, il y avait ça un bel écran. Pas mal de monde et très beau lancer de l'évêque qui a vraiment lancé. Mina, Rosamena toujours qui protège bien son palais. C'est détourné. Ah, bien fait ça, très bien fait le go. Ah, le gros, bien dé... Vassiliev, toujours pour lui-même. Vassiliev, je pensais qu'il allait transmettre à Polonian. Ouais, il a essayé du rep. Non, c'est France Blanc, pardon. France Blanc, ouais. Caron Bosque. Le voilà. Ouvrier Bosque. Carosa, le voilà. Comme ça. Et le go. Ah, dommage. Ça n'y arrive pas. Ah, ouais, là. Ah, là, il peut rien. Là, il est pris. Au sol. Ça va trop vite. Ouais, on fait 5-0. Fallait contrer, malheureusement pour lui, c'est pas payé pour lui parce qu'il a quand même fait de beaux arrêts. Et là on a vu une super supériorité numérique bien installée. Un très beau jeu entre Carosa, Poulier, Spinozzi et Force Blum. Voilà, un très beau jeu. Et un peu de réussite hein, avec ce... Côté gauche, Claudien toujours, Frémont, ça lance. C'est bloqué, il n'a pas de ralenti, ensuite on n'entend rien. Et écoute, Olivier s'en sort tout de même. Du Bosque. Ça va arriver dans la crosse de Spinozzi, but à 16 secondes. Il enfonce le clou, Philippe Spinozzi, 6-0.
sa belle série. Hein. Il continue sa belle série. Le plus grand plaisir des spectateurs.